tout essayé avec ce soir Isabelle Alonso, Annie Lemoine, Gérard Miller, Stevie Boulet, Maureen Dor et Raphaël Mesrahi. Ça veut dire quoi ça, Maureen? Ça veut dire quoi ce petit geste là? Ça ouais. Vous vous rappelez pas de Vic le Viking? Non. Bah Vic le Viking, c'était un petit gamin qui disait toujours « J'ai une idée !» Ah voilà. Ouais. Et alors, quel rapport avec notre émission? J'avais envie de le faire, je vais avoir des idées aujourd'hui, vous allez voir. Oh bah alors. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt coupé, Isabelle Alonso? C'est pas un t-shirt coupé, il y a des manches trop longues, en fait il est plutôt trop abondant. Ah oui, pas du haut alors. Hein. Et non, c'est le modèle printemps, voilà. Ah raconte, tiens, quand t'as dit que t'étais abondante. Non, pas abondante, portante. Portante, on a dit, explique. Il y a des petits beurres l'autre jour dans la rue qui m'ont dit oh, c'est pas vous qu'on voit à la télé, madame. Ah oh, bah vous êtes plus portante à la télé. Ça veut dire vous êtes plus grosse à la télé qu'en vrai. Annie Lemoine, bonjour. Bonjour Laurent. Elle est belle, hein. Voyons. Et toi aussi t'es décolleté, dis donc. Moi aussi, hein. C'est magnifique. Maintenant que Stevie porte des lunettes, il voit les seins, dites donc. Cette coupe de cheveux, attends. Bah, ça fait longtemps que je ne me suis pas mis en pétard et voilà, j'avais envie. Mais c'est raté. C'est raté. Gérard se met en pétard régulièrement dans l'émission. Non, mais. Sans que ça nuise à ma coiffure. Bah, oui, mais je suis jeune, je peux me permettre des choses que toi, tu peux pas. J'adore, j'adore, j'adore. Et allez, il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle de Tony Blair, George Bush et de José Maria Aznar. Regardez cette photo qui, tous les trois, hier, avaient sorti leur costume de guerre pour se réunir dans l'archipel des Açores. C'est quand même dingue. Même costume, même couleur de cravate, même dentifrice. On aurait dû dire à leur mère que des triplés, faut pas les habiller pareil, sinon ils souffrent de troubles psychologiques plus tard. D'ailleurs, au cas même où on ne reconnaîtrait pas George Bush, il a mis un pins du drapeau des États-Unis. Des fois qu'on aurait oublié qu'il était américain. Il nous prend vraiment pour des cons, alors, franchement. Non, non. Cet homme n'arrête pas de répéter que c'était un ancien alcoolique et qu'à un moment donné, il a arrêté de boire pour rencontrer Dieu. Il y a des fois où on préfère vraiment que les gens restent dans les bistrots plutôt que dans les églises. Hein. Mais vous savez pourquoi il a mis le drapeau? C'est parce que ses initiales, c'est GB. Il a eu peur qu'on le prenne pour Grande-Bretagne. Ah, joli. Au large des Açores où s'étaient réunis ces trois chefs d'État, on a pu voir passer Olivier de Kersauzon, qui a eu du bol finalement, parce qu'avec son bateau baptisé Geronimo, il s'en est fallu de peu pour que les Américains décident pas de le bombarder. C'est vrai. Quand il va arriver à Brest, il paraît qu'il avait prévu la chanteuse Alizée pour l'accueillir, mais ils vont renoncer. Pendant ce temps, le président Chirac, lui, répondait en anglais aux questions des journalistes de CBS et CNN. Vous l'avez entendu parler en anglais? Il était un peu couvert par la traduction, c'est dommage, parce qu'il a un accent délicieux. Bon? Très bon. Very good. Yes. All right. Notre président est tellement devenu l'apôtre de la paix qu'il y a désormais une phrase qui lui va comme un gant. Chirac, faut pacifier. Bravo. Autre photo. Celle de Michel Alliomari, émissaire de Jacques Chirac dans le Golfe. Regardez cette photo. Alliomari, sur la photo, c'est celle qui n'est pas en robe. Hein. Alors, bon, faut dire que dans les Émirats Arabes Unis, c'est normal qu'elle soit à Abu Dhabi. Très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'à Abu Dhabi, ils ne peuvent pas comprendre votre jeu de mots. C'est ça. Eh bien, remarquez, ça m'arrange, je vous le dis. Autre photo, celle qui annonce la grève à la SNCF. Demain, peu de TGV, vous savez, peu de trains corail, quasiment pas de TER ou même de RER, heureusement. Ceux qui vont à l'école ne seront pas embêtés puisqu'il y a grève à l'école aussi. Hein? C'est déjà ça. D'ailleurs, ils devraient faire une manifestation commune, les grévistes, demain, pour manifester sous une seule banderole. Ni train, ni ferry. Annie-moi un commentaire. Là-dessus, non. Ils pourraient peut-être aller grossir les rangs des pacifistes parce qu'il y en a de moins en moins. Alors, qui sur ce plateau a manifesté samedi à Paris? Moi. Alors là, mon gars. Attends, mais c'est trop drôle. Bon, je dois me rendre au théâtre et bien sûr, moi, j'habite en plein passage des manifestations et j'ai suivi toute la manifestation à pied jusqu'au théâtre. Voilà. Ça s'appelle vraiment manifester. D'habitude, il y va en voiture, là, il y va en manif. C'est marrant.
Une autre photo. Celle de Maxime Brunery, maintenant, l'agresseur de Jacques Chirac sur les Champs-Élysées. Vous vous souvenez, c'était le 14 juillet dernier. Un deuxième médecin vient de le déclarer irresponsable. Ce qui est drôle là-dedans, c'est d'imaginer qu'il y a besoin de deux médecins pour décider que ce type qui voulait tirer sur Chirac était irresponsable. Comme s'il y avait un doute, quand même. Peut-être qu'on va l'envoyer dans une maison de repos où il va croiser Lionel Jospin, qui lui dira « Alors, tu l'as pas eu, toi, non plus ?» Une autre info pour tous ceux qui continueraient à emprunter les couloirs de bus avec leur voiture. C'est pas bien, mais attention, bientôt, vous allez être filmé. Une caméra de vidéosurveillance à Paris relèvera les numéros d'immatriculation des contrevenants qui recevront ensuite par la poste une amende de 137 euros. Ce qui veut dire que les bus vont être filmés eux aussi, forcément. Bientôt, les chauffeurs de bus vont donc pouvoir demander eux aussi un statut d'intermittent du spectacle. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen ? Donc maintenant, c'est tout à fait normal que plein de rues à Paris soient avec des caméras, voilà, c'est tout. On rentre dans l'air. Il n'y a qu'à pas rouler dans les couloirs de bus. Et ça n'a rien à voir, c'est aussi le fait qu'il y ait des caméras partout. Parce qu'une caméra qui sert pour les couloirs de bus, eh ben, le jour où il y a une manif, pour voir qui est à la manif, elle servira aussi. C'est bien, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Stevie fait des manifs et toi, tu te mets en colère politiquement, c'est incroyable. Allez, on termine par les volleyeuses de Cannes qui ont remporté la Ligue des champions en battant les Russes de Ekaterinbourg. Et ça n'a pas été filmé. Ben, la prochaine fois, elles joueront dans un couloir de bus. Gérard, un mot sur le sport de ce week-end, les résultats ? Je tiens à féliciter les vainqueurs. Les volleyeuses ? Oui, vraiment, sincèrement, parce que je trouve que c'était un superbe match. Vous l'avez vu ? Non. Autre sujet, alors que le gouvernement se mobilise autour de la sécurité routière, le député UMP, M. Christian Estrosi, semble lui marcher à contre-courant. La semaine dernière, il a fait adopter par la commission des lois de l'Assemblée nationale un amendement qui autorise les voitures à rouler à 150 km/h au lieu des 130 sur les autoroutes à trois voies. Attention, il y a des tas d'autres amendements qu'il a déposés, parfois peut-être plus intéressants que celui-là, mais évidemment, celui-ci a retenu l'attention, c'est à ne plus rien y comprendre. Pour en parler tous ensemble, on va accueillir celui qui a été lui-même un ancien champion de moto, il va nous en parler, monsieur Christian Estrosi. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur votre passé de pilote moto, vous avez été champion de France. J'ai été champion de France. En 77. En 78, 19, j'ai remporté quelques grands prix comptant pour le championnat du monde de vitesse aussi. En 750 cm3. Entre autres, oui. Vous comprendrez, monsieur Estrosi, qu'à un moment où on parle beaucoup de la sécurité routière et surtout de la limitation de la vitesse, quand vous arrivez avec cet amendement, entre autres amendements, et on l'a bien entendu, forcément ça choque et ça surprend un peu. Oui, je le comprends. Je le comprends, mais à partir du moment où sur les 7700 morts l'année dernière, vous n'en avez que 300 sur les autoroutes. Et que 80%, ce sont les chiffres de la sécurité routière, indiquent que c'est par fatigue, par manque d'attention, par assoupissement, et non pas par vitesse. Mais que par contre, vous donnez un peu de marge, c'est-à-dire la marge qui est tolérée aujourd'hui, parce que tout ça, c'est beaucoup d'hypocrisie. Lorsque vous roulez à 150 aujourd'hui, on vous dit oh, vous avez dépassé seulement de 10% la tolérance des 130, on ne vous sanctionne pas. Je dis plus d'hypocrisie. On n'a pas le droit de dépasser d'un kilomètre heure la vitesse, que ce soit à 60, à 80, à 90, à 110, à 130, comme à 150. Mais faisons en sorte que les normes soient suffisamment souples, qu'on les révise à la baisse là où c'est nécessaire, à la hausse, là où ça le mérite, je pense qu'on aura de bien meilleurs résultats encore en matière de sécurité routière. Vous savez, moi je suis un adepte de l'impunité zéro. J'ai été rapporteur du texte de loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy, et donc je considère que quand on fait une faute, on doit avoir une sanction immédiate, graduée, progressive. Donc je ne suis surtout pas pour inciter au laxisme sur les routes. Je veux simplement qu'on regarde avec un peu d'ouverture d'esprit, de modernisme, la situation telle qu'elle a évolué en matière de technologie pour les véhicules et de sécurité sur un certain nombre d'axes. Quand vous parlez, c'est un peu comme quand je fais du 130. C'est vrai que je m'assouplis. Gérard, il y a Gérard Arminage qui boue, Monsieur le député veut lutter contre l'hypocrisie, mais nous sommes dans un système profondément hypocrite. Puisque nous n'avons pas le droit de dépasser 130 à l'heure et que nous avons des voitures qui vont jusqu'à 220. La politique, c'est lancer des messages.
Si nous étions dans un pays parfaitement rationnel, où les gens effectivement respecteraient la vitesse, on pourrait discuter de 150 à l'heure. Mais aujourd'hui, un homme politique qui lance comme message 150 km/h, je m'excuse de vous le dire avec tout le respect que je dois à votre fonction, c'est criminel. Voilà ma position. D'abord, c'est peut-être un compromis possible. On va dire Gérard Miller à 130 sur la file de gauche, vous à 150 sur la file de droite. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Maureen? Mais non, mais moi en plus, je suis plutôt d'accord avec vous de faire 150 parce que je vais dire un gros mot. Je m'excuse, Gérard. J'aime bien aller vite. et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme moi. Alors, est-ce qu'on est vraiment des criminels? Parce que c'est aussi... La voiture peut être une joie et conduire peut être quelque chose qui n'est pas seulement fait pour aller d'un point à un point, mais qui peut être agréable. Et c'est vrai qu'il y a des gens... Je vais te répondre, quand tu as une, voilà. Quand tu as dans les mains une bagnole qui roule à 220 ou 230, qui monte jusqu'à 220, ça s'appelle pas un jouet, ça s'appelle une arme. Et quand on a rencontré un certain nombre de victimes ou de parents de victimes, et quand on voit ce que la voiture bousille comme vie en France, y compris les 300 morts sur autoroute, plus des milliers de blessés sur autoroute et sur route, alors c'est vrai que quand quelqu'un me dit « j'aime conduire vite », eh bien je lui dis « essaye de trouver d'autres plaisirs ». C'est tout. Moi, j'adore conduire vite et ça ne peut marcher. Isabelle Allongeau. Je vous applaudis d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, voilà, mais c'est important. Il y a plein de gens qui aiment ça aussi, qui aiment dans la compte, qui veulent pas faire du mal, mais qui. Ils énervent de ce côté-là, nous, on dit rien. J'aime. Isabelle. Bah déjà, Stevie, il faudrait qu'il passe le permis, lui. C'est une question de civisme. Évidemment que tout le monde adore foncer sur l'autoroute s'il y a personne, s'il fait beau et s'il n'y a pas de tournant, c'est très rigolo d'aller vite. Sauf que c'est pas comme ça que la question se pose. Moi, je fréquente énormément l'autoroute du Sud. Les 100 premiers kilomètres d'autoroute du Sud, il y a 4 voies et c'est absolument, effectivement, criminel d'essayer de se lancer à 150 km/h. Parce qu'il ne faut pas oublier un argument technique qui vaut aussi son pesant de cacahuètes, c'est qu'à 150 km/h, vous avez besoin de, je crois, 150 mètres de plus pour freiner qu'à 130. Enfin, je ne garantis pas le nombre de mètres, mais enfin, nettement plus long. Donc, à partir du moment où vous allez plus vite, il faut que les distances de freinage soient plus importantes. Alors essayez seulement aujourd'hui en France de respecter les distances de freinage. Vous respectez la distance avec la voiture devant, vous avez tout de suite deux ou trois imbéciles qui viennent se glisser en vous doublant, y compris par la droite. Alors comment est-ce qu'on peut, dans ce raisonnement et dans cette constatation quotidienne, dire « Ah ben non, ça serait super bonheur qu'on aille à 150 ». C'est impossible techniquement si on respecte les distances de sécurité. Alors rien que pour ça, votre proposition, je suis désolée de vous dire ça, elle est idiote. Stevie Boulet, vous pouvez rouler à 300 km/h, on vous enlèvera pas le permis. Vous n'avez pas encore. Non, mais c'est pas ça. Mais ça semble, la réalité, c'est que les gens sont déjà à 150 km/h, voire plus sur l'autoroute. Moi, j'ai toujours pris des voitures. J'ai jamais été. Enfin, pas moi. C'est pas moi qui conduisais, mais j'ai constaté que les gens étaient toujours à plus de 150. Non, franchement, entre nous, t'as jamais dépassé plus de 150, toi, sur plus de 130 sur l'autoroute. Ça m'est tout à fait arrivé dépasser alors, 130. Donc, ça alors, m'est arrête tout à fait. De pas côté. Je finis ma phrase. Ça m'est tout à fait arrivé de dépasser 130 parce qu'avec les voitures, même sans avoir des voitures très puissantes, on dépasse très vite. Et j'essaye chaque fois que je vois que je dépasse de revenir à 130. Mais c'est très vrai qu'on a une tendance immédiate à arriver au-dessus de 130. Alors moi, je voulais vous dire que j'étais pour la visite médicale, parce qu'on en a parlé aussi récemment, là. La visite médicale tous les 5 ans pour les moins de 50 ans et tous les 3 ans pour les plus de 50 ans. Forcément, vous avez de la marge, vous. Non, c'est pas ça, mais on constate de plus en plus de problèmes avec les personnes âgées. Moi, je dis 70 ans, parce que ça me donne 30 ans de bon. Et en revanche, je suis contre les 0,1 g d'alcool dans le sang. Parce que 0,5, c'est déjà très peu, c'est l'équivalent d'un verre de bière. Ah, vous voulez rouler bourré plus vite? Non, attends, 0,5, c'est pas être bourré entre nous, c'est un verre de bière et un verre de vin rouge. Ah, il y a Jean-Pierre Soisson, hein, j'ai lu ça dans la presse, qui est contre aussi, lui. Hein. Jean-Pierre Soisson, il dit en Bourgogne, on pourra pas continuer à rouler avec 0,1 gramme d'alcool. Et j'aimerais que vous preniez une mesure aussi, c'est de faire passer tous les 5 ans le code de la route. Je vois nombre de personnes autour de moi, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, qui, eh ben, ils sont dépassés parce que ça a évolué depuis. Ils ont passé leur permis il y a 30 ans. Comme les octogénaires, je sais pas, ça tu fait 60... Tu dénonces ton père et ta mère mais à non, la mais télévision. Les octogénaires, ça... Maureen et Raphaël après, tout de suite après Raphaël. Bien, moi, ce que je trouve... Ah bon, bah alors, moi, Raphaël. Non, mais par rapport à... Non, je voulais juste dire quand même, par rapport à Isabelle et à Gérard, ce sont les premiers, en général, à nous annoncer des chiffres et à montrer que quand les chiffres disent quelque chose, en général, c'est fiable. Mais alors, quand, pour une fois, les chiffres vous disent des choses qui ne vous plaisent pas spécialement... les chiffres qui disent qu'il n'y a pas... Que c'est finalement pas sur l'autoroute qu'il y a tellement de morts que ça... Attends, il y a quand même 300 morts. Là, tout d'un coup... Ça fait un par jour. Non, c'est... Là, tout d'un coup, par rapport à la vitesse, tout d'un coup... 300 morts. Pas par rapport à...
pas à cause de la vitesse. Mais 7000 morts, c'est insupportable. Pas à cause de la vitesse. Monsieur le député, on a dit 60 morts. Il y a 300 morts sur l'autoroute par rapport à 7000 ou 8000. Il va y avoir carambolage. Mais c'est énorme, 7000 morts. Mais oui, mais pas à cause de la vitesse. Raphaël Mesrahi. Il y a un truc que j'ai qui noté... parle à moins d'un kilomètre heure. Ouais, ouais. J'ai noté quelque chose, vous passez de 150 km heure, quand il pleut, vous baissez ça à 90 au lieu de 110, c'est ça? Ce qui est idiot, parce que quand il pleut, on a hâte de rentrer. C'est ça. Oui. Vous savez, rouler à 80 à l'heure sur la quatrième file de gauche, c'est souvent plus dangereux que de rester sur la file de droite. Et quand on se gare, les gens sont odieux quand on se gare. L'autre jour, non, mais c'est vrai, l'autre jour, je me garais. Quand je mettais une heure pour me garer comme ça, il y a un gars qui m'engueule. Il dit, tu vas enculer, tu te gares mal. Alors, ce que j'ai fait, moi, je suis descendu de voiture, j'y suis allé, je suis revenu, j'étais toujours mal garé. N'importe quoi. On va pas prolonger le débat. On pourrait faire des heures là-dessus. Je vais signaler votre rapport sur la sécurité intérieure, monsieur Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes. Vous aviez d'ailleurs déjà écrit « Sauver la République en termes d'insécurité ». C'était aux éditions du Rocher. On va vous remercier d'être venu nous voir, monsieur Estrosi. Il faut y aller parce qu'il y a votre chauffeur qui vous attend. Je vous remercie. Merci Laurent, à bientôt. Autre sujet. Fumer, c'est mal, on le sait. Et pour que vous n'ayez plus aucun doute là-dessus, eh bien, dès l'automne prochain, vous allez voir de nouvelles mentions apparaître sur vos paquets de cigarettes. On connaissait « fumer nuit gravement à la santé »,« fumer tue ». Mais alors là, messieurs, ça devient beaucoup plus grave. « Fumer peut provoquer l'impuissance », c'est vrai. Et ce sera devant votre nez à chaque fois que vous voudrez allumer une cigarette. Dur, dur, ou plutôt mou, mou. Dan Bolander n'est pas resté impuissant. Il a testé pour nous les méfaits du tabac sur le sexe, sur la libido. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréot. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé les méfaits du tabac sur la libido. Oh là là, 210 de libido là. Faut vraiment que j'arrête de fumer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est le tobib ? Oui, je suis médecin auprès du ministère de la Santé. Ah bon ? En fait, je suis là pour informer les Français que le tabac, c'est pas bon pour ça. Alors nous avons installé un appareil. Ah bon ? Qui est tout nouveau pour contrôler la libido des Français. Vous savez, à 80 balais, la libido pour moi c'est terminé un peu. Ah bon ? Ah oui, il est plutôt comme ça. On va contrôler la vôtre. Non, non, non. Comme non, ça, non. Je vais vous dire combien vous êtes sur une échelle de 10. Allez-y. Top. Voilà. Alors c'est pas mal, hein. Vous êtes à 7 sur 10. Eh ben 7 sur 10, c'est la bonne moyenne. Ah, c'est bien. Je demandais à ma fille qu'elle me présente ses copines. Non, vous n'avez pas acheté des cigarettes quand même. Et pourquoi ? Je contrôle votre libido avant. Vous n'allez rien contrôler du tout. C'est important. C'est bon. Si vous fumez, vous n'aurez plus de libido. Ça, c'est votre problème. Si vous ne faites pas l'amour, moi, je baisse bien. Ma femme est très contente, très satisfaite. Non, si la vôtre ne l'est pas, vous m'envoyez. Et je vais fumer. Vous m'envoyez. Allez-y, soufflez. J'arrête là. Oh, formidable. Écoutez, vous avez une libido qui est à 10. Je vais pouvoir me remarier, alors. Ah oui, exactement. Oh, chouette, à 80 ans, je vais me remarier. Ah oui, bah oui, 10 avec sur 10. Avec un pépé qui conduise pour me promener. Ah. Avec une grande libido ou pas? Oh non, non, pas de libido. Oh là là, non, c'est trop vieux. Vous fumez combien de cigarettes par jour? Un paquet de 30. Ah oui, c'est beaucoup, vous voyez. Ça va avoir de gros libido, problèmes de libido, hein. Vous pensez? Je sais pas. Bah, attendez, on va le contrôler tout de suite, hein. Oh là là, voilà, voilà. Stop, 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 stop. Voilà. Allez. Vous êtes à 1. À 1 de quoi ? 1 sur l'échelle de 10. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous n'avez pas du tout envie. Mais j'ai toujours envie. Ah non, non. Je sais pas, elle est contente avec mon petit 1 de libido. Bah non, ça, c'est pas possible qu'elle soit contente avec 1 de libido. J'arrive ici, je suis heureux, je repars impuissant. Alors, c'est terrible. Bravo, Dan Bolander. Alors, on verra bientôt tout ça sur les paquets, hein. Comme ça, on a évidemment caché les marques, mais le tabagisme peut vous rendre impuissant. Ce sera écrit bientôt sur les paquets de cigarettes. On va accueillir sur ce plateau une tabacologue qui a sorti un livre « Psy, sexe et clope » aux éditions Erol. Voici madame Monique Haussmann. Bon.
Bonsoir madame, vous avez publié avec une collègue à vous qui s'appelle Daniel Le Petit. Absolument. Chez Erol Santé Société. Justement, est-ce que vous avez été fumeuse? Non, je n'ai pas voulu me forcer, ça m'a... Ça peut arriver. C'est que moi, j'ai trouvé ça très désagréable et je n'ai pas assisté. J'ai attendu l'âge de 38 ans bêtement pour me mettre à fumer, donc ça peut arriver. Oui, vous faites partie des gens exceptionnels qui se mettent à fumer tardivement en ayant l'impression qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Ben voilà, bêtement, j'ai fait ça et maintenant j'en suis au point de devoir arrêter. C'est très con parce qu'effectivement, à 38 ans, je n'avais jamais fumé une cigarette et j'étais persuadé qu'en commençant à en fumer deux ou trois, je pourrais m'arrêter très facilement vu que j'avais commencé aussi tard. Eh bien, aujourd'hui, j'en suis à au moins depuis 6 mois à essayer d'arrêter parce que je n'y arrive pas quand on a mis le doigt dans l'engrenage. Est-ce qui prouve que l'organisme réagit de la même manière, quel que soit l'âge? Voilà, donc ça, c'est vraiment un témoignage que je peux apporter. Alors, moi, je vais juste faire un conseil, Laurent. N'attendez pas 50 ans pour commencer à baiser, quand même. Surtout si vous continuez à fumer. Je vous rassure, Gérard, je vous rassure. Moi, je peux dire un témoignage qui contredit un peu ce que vous dites. Oui. C'est que j'ai fumé ma première clope à 20 ans. Une cigarette et on m'a toujours dit, bah, tu vas voir, tu vas devenir une fumeuse. Et ça fait donc 10 ans que je fume une cigarette par jour, je peux ne pas fumer, je ne fume jamais pendant la journée et que je n'ai jamais augmenté. Vous savez, aussi vrai qu'on ne se ressemble pas tous, là, même si on est tous construits sur le même modèle, il est vrai aussi que nous avons une physiologie qui est différente, c'est-à-dire n'est pas fumeur qui veut. Nous développons des récepteurs à certains produits de la fumée de cigarette ou nous ne les développons pas. Et ça, c'est une donnée génétique. Vous n'en avez pas développé. Vous n'êtes pas dépendante à la nicotine, donc en quelque sorte, vous fumez pas pour rien, quoi. Oh oui, je fume pour rien, c'est ça que vous dites? Voilà, oh, mais vous polluez quand même, parce qu'il y a forcément quelque part un petit bénéfice à fumer. Notre question ici, ce soir particulièrement, c'est est-ce que le tabac rend vraiment impuissant? Ben, vous le voyez, c'est pas moi qui le dis. Et pourtant, je fume pas. Sérieusement? Alors, sérieusement, bon, ce qu'il y a quand même... Évidemment, ce qui est vital dans le tabac, c'est surtout que le fait d'être impuissant, ça ne tue pas. Il y a dans la population française à peu près 10% de Français qui ont une impuissance manifeste et avérée. Et il y en a à peu près 39% qui ont une impuissance occasionnelle. Et fumer du Viagra? Alors... Mais c'est très facile à comprendre. Ah oui? Parce qu'un pénis, c'est une éponge, quelque part. Ah bon? Alors, ça n'est pas un muscle. Ça entre en érection à parce qu'il y a un afflux. Peut-être aussi. Ça me gratouille. Un afflux de sang qui va venir remplir toutes les cavités que l'on a à l'intérieur des corps spongieux. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? J'en ai discuté avec des ados ce week-end qui me disaient, des garçons qui ont donc entre 15 et 20, je vous la fais courte, et... Forcément. Et ils m'ont dit, mais si ça pouvait s'arrêter de temps en temps, genre ils sont tellement souvent en érection pour rien que ça finit par être chiant, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils me disaient, peut-être qu'ils en rajoutent, j'en sais rien. Le système reproducteur... Ils voulaient vous impressionner, Isabelle. À mon avis, ils voulaient essayer la femme de 40 ans. En fait. 40 ans. En tous les cas, dans les... Et en plus, c'est pareil que pour la mort. Je crois que la libido et la mort sont peut-être les deux choses qui fascinent le plus les adolescents. Et je trouve que la communication, quand elle est basée sur des choses comme ça, elle atteint peut-être pas très facilement sa cible, quoi. C'est une question que je me pose, hein, en même temps. Vous savez, c'est faux. Moi, je fais des interventions dans les établissements scolaires et c'est un des arguments qui les perturbe le plus. Parce que pour eux, la maladie, c'est pas avant la deuxième partie de la vie. Mais la puissance, c'est leur préoccupation première. Qu'est-ce que nous avez amené là, Madame Haussmann? J'aimerais bien voir. Eh bien, ça, c'est un test de vérité pour savoir et pour déceler si vous êtes un fumeur, si vous avez vraiment arrêté de fumer depuis 3 jours. Ah bah ça, j'ai vu. Allons-y. Bon, vous... Et tu dois souffler un bon coup? Non. Vous soufflez calmement, mais sûrement. D'accord. C'est génial, cet appareil. Vous m'en mettrez 4. N'ayez pas peur. Ça te fait un look d'enfer. Hein. Alors, bon... Voyons que c'est comptabilisé, nous avons une quatrième, ne vous inquiétez pas. 5. Vous faites partie quand même des gens qui, soit sont, c'est une légère intoxication, c'est à peu près ce que l'on trouve dans les salles. On va juste peut-être interrompre l'émission, on va appeler le SAMU. Ne t'inquiète pas, non, tout va bien. Tout va bien. C'est grave ou pas grave, docteur? Absolument pas. Alors,
jusqu'à 10 unités, on peut dire qu'on a affaire à une légère intoxication, tabagisme passif. Tu fumes, toi, Stevie? Oui. Maintenant, beaucoup. Si vous avez fumé ce matin... Changez l'embout pour Stevie. On va changer l'embout. Ça donne une idée de votre tabagie et du fait que vous inhalez plus ou moins. J'ai bu un verre de champagne aussi tout à l'heure, ça va agir. Là, c'est un panalcotest. Ah, d'accord. C'est un tabac. C'est pas le truc qui fait les deux, comme le canapéli. Ça, c'est drôle. Alors. Fais-le bien. Tranquillement, Stevie. Vas-y, tranquillement. Pense à autre chose. Alors, ça va se comptabiliser. Je pense que le taux va augmenter. 7, 8, oh là là. 11, 12. Oh là là, Stevie. 11. 11. Alors, 11, 12, c'est quoi? 12. 12, oh la vache. Bah, ça veut dire qu'il est mal oxygéné. Ah oui. Donc, tous ses organes sont mal oxygénés. Mais je suis malade aussi. Hein. 13. Aucun rapport. Aucun rapport. Ça veut dire que tous les organes sont mal oxygénés, y compris le cerveau. C'est nul. Moi, j'ai des effets secondaires. Je fais arrêter les gens de fumer quand ils sont avec moi. Et quand ils me quittent, ils refument. Passionnant. Moi, il y a une image qui m'a... Maintenant, il fait les commentaires de l'émission, ouais. Stevie, c'est incroyable. Il est ici à peine depuis septembre, il va nous donner des notes bientôt. Mais petit con. Et fier de l'être. Il y a une phrase qui est géniale dans votre livre que j'ai feuilleté tout à l'heure. C'est quand vous embrassez quelqu'un qui fume, c'est comme si vous embrassez vous un cendrier froid. Oui, absolument. C'est dégueulasse, ça. Ah bah, je sais pas, essayez. Bah, avec des fumeuses, vous n'avez jamais essayé d'avoir... Aller chez un cendrier, une relation amoureuse avec une fumeuse? Ah non, ça jamais. Alors c'est parfait. Allez, psy, sexe et clope. Pourquoi je fume? Arrêtez, pour quoi faire? Monique Haussmann a signé ce livre avec Daniel Le Petit. C'est chez Haussmann, Erol, Santé et Société. Il y a une phrase d'Honoré de Balzac, on peut la citer pour conclure. Quel pouvoir a donc ce plaisir que le roi des rois aurait payé de la moitié de son empire et qui surtout est le plaisir des malheureux? Voilà, c'est signé Honoré de Balzac. On pourrait citer aussi Rimbaud qui disait « Pour avoir libéré, il rend esclave. » Parfait. Au revoir. Nos derniers invités pour ce soir, à la Star Academy, il n'y a pas eu de perdants, non, que des vainqueurs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous chanteurs. Le 18 février, Jérémy Châtelain sortait son premier single, Laisse-moi, c'est celui-là. Le 4 mars, c'était Georges Alain Jones, oui, parce qu'en plus, ils ont récupéré leur nom de famille maintenant. Hein. Son titre, c'est Embrasse. Et enfin, demain, c'est Anne-Laure. Il n'y a pas son nom de famille, Anne-Laure Choupinette peut-être, qui sortira son titre Superwoman. Ils sont en tournée jusqu'au mois de juin et le 28 mai, ils enflammeront Bercy avec toute l'équipe de Star Academy à Paris. Pour tester ensemble tous ces singles, les trois, accueillons tout de suite en tir groupé Georges Alain Jones, Anne-Laure et Jérémy Châtelain. J'ai me transformé en... J'ai l'impression d'être Nikos à nouveau, vous voyez. Il faut les mettre dans l'ambiance. Si vous voulez continuer à regarder cette émission, téléphonez au numéro qui va s'afficher sur votre écran. C'est 6 euros la minute, mais ça vaut le coup. Hein. Ce qui est bien avec Jérémy Châtelain, c'est que Stevie a dépassé le niveau fringue. Alors, Anne-Laure, Superwoman, c'est votre titre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en fait c'est un titre qui est de la house populaire, qui est fait pour un public assez large. Alors je crois qu'on a calé un extrait du disque. On essaye Superwoman. On essaye. C'est parti. C'est fait pour danser cet été, ça. Exactement. Hein. Mais pourquoi pour un premier disque avoir choisi précisément Superwoman, c'est-à-dire de faire une chanson sur moi? En fait, non, tu m'as beaucoup touchée la dernière fois qu'on s'est vu.
Allez, Georges Alain ensuite. Georges Alain Jones. J'ai été surpris, je pensais que vous ne saviez pas chanter. Non, franchement, hein. Et alors là, en revanche, j'ai écouté ça, j'ai été... Alors là, je fais mon mea culpa. C'est celui que j'ai préféré, alors que je vous charrie, je me fous de votre gueule depuis des semaines et des semaines en pensant que vous êtes incapable de chanter. Alors, ou alors c'est pas vous sur le disque, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça très bon. Bah, merci, c'est gentil. Alors, on écoute Embrasse. Embrasse. On se bat couramment quand on s'embrasse. Je comprends ta langue. Embrasse. Stop et recommence. Embrasse. Embrasse. George Alan Jones. Votre vrai nom, Jones. Ouais. Alors, juste une déception, hein, évidemment. C'est marqué sur la pochette du disque, inclus une photo dédicacée. Gros bisous, plein de bonheur à tous. Georges Alain, enfin G.A. Et il n'y a pas... je pensais qu'il y avait le prénom de chaque personne qui achetait. Ouais. Non, mais ça vient de faire ça comme les bols. Les bols, le petit-déj, pour les, avec, par ordre alphabétique, avec tous les prénoms. Ils achètent les disques en fonction, quoi. Il y a vous qui pensez encore à ça. Je crois ça. Isabelle, allons-y. Oui, j'ai écouté George Alan Jones et alors j'ai trouvé comme ça à première... ça me faisait penser à De Palmas et ça me faisait surtout penser à un type que j'adore qui s'appelle Kezia Jones. Alors bravo, c'est très bien. Moi, ouais, merci, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Annie Lemoine, vous voulez entendre d'abord Jérémy? Voilà, je voudrais entendre d'abord Jérémy. Alors c'est parti pour Jérémy. Jérémy Châtelain, alors là ça s'appelle Laisse-moi. Qui a écrit? C'est moi. Ah, c'est vous qui avez écrit la chanson? Oui. Ah, c'est pas mal ça, alors on écoute. Laisse-moi écrire à l'encre de mon corps tous les mots qui me font souffrir quand le silence est trop fort. Laisse-moi vivre loin de toi et du mal qui nous entoure. Et si la haine est un poème, mon cœur essaye, me regarde autour. Une pensée, un cri le jour et puis la souffrance. Les aiguilles tournent, les gens se lassent. Jérémy Châtelain, alors là, attention. Vous, il y a un problème, Jérémy Châtelain, j'ai regardé un peu, parce que j'ai suivi quelques Starac, mais pas tout quand même, et je me suis aperçu alors que vous aviez triché, vous. Ah, bah ouais, bah sinon je serais pas là, de toute façon. C'est-à-dire que vous étiez mineur, et normalement on prend que les majeurs dans la Starac, et vous avez menti sur votre âge. Ouais, j'ai trafiqué ma carte de bus, en fait. La carte de bus, parce qu'ils prennent la carte de bus. Non, c'est pas ça, j'avais rusé, j'avais dit... j'ai oublié ma carte d'identité. Il y avait 50 personnes qui attendaient derrière. Ils ont dit, bon, bah rentre. Et puis, bah, je suis rentré. Vous les avez maintenant, les 18? Ouais, je les ai. Non, ça, parce qu'ici aussi, ça est interdit en dessous de 18. Un avis, Maureen? Ben, en fait, si toi, t'es content de ton titre, c'est vachement bien, mais t'es quand même un grand showman. Voilà, je te préfère quand tu... Ouais, il y a quand même un truc qui se passe, c'est que c'est le seul qui peut prétendre à l'appellation artiste d'entre nous. Vraiment le seul. Bah, surtout s'il a composé. Il compose, il écrit. C'est un gars qui se couche devant une feuille, ouais, il a des textes à sens. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment là-dedans qu'il faut qu'il reste. C'est vrai, il y a une bonne ambiance entre vous, alors, manifestement. Ouais, bah, alors là, c'est clair. Il y a toujours une bonne ambiance avec Jérémy, ça va. Tant que Nolwenn n'est pas là, hein. Non, mais ça va. C'est pas lui que je dis ça. Stevie Boulet. Alors, il y en a un qui ressort parmi le lot, c'est celui de Jérémy, que j'ai beaucoup apprécié. Et. Vraiment chapeau bas, parce que écrire et composer, c'est pas donné à tout le monde, comme vient de dire Georges Alain. Anne-Laure, elle m'a fait vibrer dans Starac. Vraiment, tu m'as ému, les larmes aux yeux quand je te voyais chanter avec Céline Dion ou je sais pas qui. Et là, quand je vois ça, je retrouve plus cette émotion que tu nous as fait. Ce qui se passe en France. Pourquoi t'as pas attendu justement de travailler sur un album plus concrètement, plus tard. Parce que pour moi, on sort pas un single en un mois. Ça veut dire que c'est un single qui n'a pas d'âme. Ce qui se passe, c'est que j'avais envie de m'éclater. J'avais envie de faire quelque chose qui me faisait plaisir, qui me... Voilà, ce titre-là, Superwoman, c'est un titre qui est carrément ce que j'avais envie de faire sur le moment même. Ensuite, je trouve que pour faire de la variété française, pour dire ce que j'ai à dire aux gens, j'avais envie de prendre plus de temps, j'avais envie de faire quelque chose qui était fait en douceur, qui était vraiment moi, qui venait du plus profond de mon âme. Georges Alain, pareil, mais lui, toi, t'as une... J'ai déjà utilisé ce terme et tout le monde s'est foutu de moi, mais je vais quand même le répéter, t'as une signature vocale. Ça veut dire qu'on peut écouter 1000 voix, la tienne, on la reconnaît tout de suite. Et ça, c'est quand même donné à très peu de personnes. Et j'attends que tu trouves ton style. Pourquoi
pareil, tu n'écris pas, tu ne deviens pas auteur. Parce que t'as un style à toi, il faudrait vraiment que tu l'exploites. Et alors là, t'as tout le monde à tes pieds. Si vous auriez aimé faire la Starac, vous? Ah non, non, moi j'ai fait Loft, le premier. J'ai fait la première télévision réalité. Vous avez fait la Starac. J'ai fait la meilleure émission. Voilà. Vous voulez voir Stevie en Jérémy? Ouais, on vous a tous vu, on vous a tous vu. Bravo, n'empêche, c'était super charmant. J'ai bien aimé. Un petit rappel, Aimé Zrahir, Georges Alain et Maureen, ils sont là, les coupables. Et Maureen en Anne-Laure, est-ce qu'on peut regarder? Non, c'est super. On va encaisser du fric. Que les artistes aillent se rhabiller. Sur notre dos, la prod va palper. Quelques millions d'euros assurés. Quelques millions de gens pour casser. Nous, notre rêve, c'était de chanter. Trois mois de télé-réalité. Et on vend plus d'albums qualité. Ce qu'on veut faire, c'est du fric. Que chacun se mette à banquer. On est chanteur comme on est culé. Et puis pour nous on va encaisser. J'ai dit que c'était Maureen, c'était Valérie Mérès qui faisait Anne-Laure. Bravo, c'est Gérard Miller, vous n'avez rien dit encore aux élèves de la Starac. Alors, s'il y a bien un professeur ici, c'est Gérard Miller. Je dois dire que j'ai été plutôt intéressé par ce qu'a fait Anne-Laure. Je trouve alors que c'est plutôt un reproche qu'on pourrait faire aux autres. Je trouve que c'est le plus original. Moi, je me suis dit, chaque fois que je mets sur ma platine les disques des chanteurs qui viennent ici, j'ai toujours l'impression, et je me trompe, d'entendre la même chose. Le même type de mélodie, le même type de parole, et je t'embrasse, et je t'aime, et toujours, et bonjour. Et toi, j'ai eu l'impression, je me dis, ah, au moins, c'est au moins une sonorité que j'ai pas l'habitude d'entendre. C'est en anglais, tu pouvais pas comprendre. Je parle anglais, je parle à peu près couramment anglais, et je me suis dit, au moins, elle s'est un tout petit peu détachée du lot. Alors, moi, je dirais la même chose à tous les trois, c'est que j'attends la suite. C'est-à-dire, voudrais... qu'est-ce que vous allez faire dans les mois suivants? Georges Alain veut dire quelque chose. Je voudrais quand même insister sur le fait, que, parce que vous dites qu'on est formaté, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que tout ce que j'ai choisi, les deux titres que j'ai choisis pour ce single, c'est moi qui les ai choisis, et c'est moi qui ai voulu les textes, ces textes-là, et j'ai décidé vraiment à 100%. Je pensais que justement, quand j'allais sortir, on n'allait pas me laisser le choix, tout ça, et c'est pas vrai. Quand tu es rentré dans Starac, tu étais déjà formaté, ils avaient prévu les rôles que chacun jouerait. Ça m'amuse, une fois Loana, on lui a présenté l'émission à laquelle elle avait participé en Hollande. Elle a trouvé la même Bimbo Girl, la même fille avec un enfant abandonné, c'est-à-dire que mais vous êtes tous... n'importe quoi, Gérard, vous êtes tous rien à voir. Oui, c'est vrai, on a marre, marche alors. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu m'amuses. Attends, je termine. Vous terminez, ils répondent. C'est chacun de vous, évidemment, est naturel et authentique, mais ceux qui vous ont fait rentrer là-dedans, ils avaient des petites cases. Il fallait la petite, il fallait Georges André, il fallait toi. Vous étiez tous dans des petits. Georges Alain. Georges André, je n'ai jamais regardé Starac. Je n'ai jamais regardé Starac. Vous étiez dans des petites cases comme Stevie dans une petite case. Arrête, tu délires tout seul, mon gars. T'as toujours pas compris. Loana, elle a eu un enfant et personne ne le savait dans la production. Personne. Et tu personne ne savait. Alors, dans les autres émissions, il y a des Stevie dans toutes les émissions de Love Story. En tout cas, dans 4 ans, je les ai vues, moi, les émissions. Il y a même eu Skippy avant toi. Je croyais que c'était les invités qui se faisaient déchirer. En fait, c'est en ce moment vous on ne peut pas vous déchirer, c'est déjà fait. Ah, pas mal. Non, mais je veux dire par là que chacun de vous est original et authentique. Et c'est là-dessus qu'on va vous juger. Je suis d'accord qu'on ne va pas réfléchir d'où vous venez. Et donc je dis, moi j'ai bien aimé ce qu'Anne-Laure a fait et je suis curieux de ce que vous allez faire après. Je ne peux pas être plus fanatique de ça. Je déteste ceux qui ont fabriqué Starac. Mais je vous aime bien, je ne peux pas le dire autrement. Ce qui se passe, c'est que... J'ai un truc à soumettre. J'ai lu dans un magazine que apprends à écrire une chanson avec Jérémy. Alors, je voudrais avoir ton avis sur une chanson. Vous êtes pas au courant ? Non, mais c'est avec grand plaisir. Hier, tous mes ennuis semblaient s'être envolés. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont restés ici. Oh, je voudrais être hier. Soudainement, je ne suis plus que la moitié de l'homme que j'étais. Il y a une ombre qui plane sur moi. Oh, je voudrais être hier.
que t'en penses? Alors moi j'en pense qu'Anne-Laure vient de me dire que c'était issu des feux d'amour. Feux d'amour? Pas du tout. Moi je trouve ça, moi je trouve ça très beau. Je sais pas si non, ça marche. Ça marchera jamais. Oh, non, un truc comme ça. Oh, non, ça peut marcher. Il faut juste mettre une mélodie, Ça vous dit quelque chose sur Jean? Ça existe déjà. Moi je pense que ce n'est pas de Maureen D'Or. Allez, je vais vous dire. On leur dit, c'est la traduction française de Yesterday. Voilà. Des Beatles. Évidemment. En français c'est moins bien. Mais c'est horrible en français, mais évidemment. Ah, moi je trouve pas ça horrible. Non, c'est pas horrible. Alors attendez, puisque vous trouvez pas ça horrible, regardez. C'est un peu pompeux, mais c'est. Vous allez nous faire un petit trio tous les trois. Vous nous faites un petit trio sur l'air de Yesterday, la version française. C'est strictement impossible. C'est pas possible. Mais si. Hier. Sur France 2, tout est possible. Aidez-la, Maureen. Hier. Tous mes ennuis semblaient s'envoler. Maintenant j'ai l'impression qu'ils sont restés. Oh yeah. Je crois hier. Soudainement je suis la moitié de l'âme que j'étais. Il y a une ombre qui plane sur moi. Oh yeah. Hier est arrivé. C'est bien, bravo. Vous avez une jolie voix. Hein. C'est vrai que j'avais repéré que vous aviez une jolie voix. Vous avez une très jolie voix. Moi, je crois que vous aurez fait gagner la Starac. C'est vrai. Franchement, je trouve. Catherine Barma est en train de me souffler, moi aussi, Catherine Barma. Oh, Catherine Barma a dépensé un pognon fou, d'ailleurs, en appelant. Une fois, j'ai voté, d'ailleurs. Fallait pas voter. Pourquoi? Non, je n'irai pas. Ça servait à rien. Je me suis fait couillonner par TF1 une fois de plus. Merde, alors. Non, moi, je suis genre... Raphaël? Bah, moi, comme Stevie, bon, vous m'avez fait vibrer à l'époque de Starac. Bah, tout le monde avait dit Anne-Laure. Hein. Non, mais je les aime bien, en plus. Non, c'est vrai, mais Raphaël, il vibre pas, tu sais. Ce sera la scoop. Bah, oui. Appeler ma femme. Alors donc. Ce serait elle qui devrait vibrer. Qu'est-ce que je veux dire ? Jérémy, vous avez fait une déclaration dans le journal de Mickey le 4 décembre 2002. Il est con. Bon, on file une bio. Et qui est-ce qui vous a interviewé, Riri, Fifi ou Loulou? Quand on était dans les loges, on disait, ouais, on attendait trop. On fait, ouais, ça va, on va trop kiffer quand ça va être Raphaël Mesrahi qui va parler et tout. Mais alors, est-ce que vous kiffez? Ouais. Grave. Merci. Grave leur race. Évidemment. Allez, vous restez avec nous tous les trois pour le dernier jeu de l'émission qui s'appelle... Qui a dit quoi? Bravo, qui a dit quoi? C'est parti. Regardez pas les réponses, ne trichez pas. Alors ils sont trois et ils ont le droit à 3 secondes... Chacun, ça fait non, pas chacun. 3 secondes d'avance sur vous. Première citation des phrases prononcées ce week-end qu'on a relevées dans la presse aujourd'hui ou hier dimanche. Attention, premier, qui a dit quoi? J'ai créé un style aujourd'hui imité par tout le monde et on prétend me mesurer encore à d'autres chanteuses. C'est une prétention. Michael Jackson. C'est Madonna. Lavigne. Avril Lavigne. Avril Lavigne, bravo. Georges Alain. Et bravo Jérémy, effectivement. Et je crois au Zénith demain soir à Paris, Avril Lavigne, vous aimez? Grave. Ouais, elle est bien, Avril. Ouais. C'est pas mal, hein, ce qu'elle fait. Très sympa. Autre qui a dit quoi? La France a vocation à être du côté des droits de l'homme, pas du côté des dictateurs. Alain Madelin. Bravo, c'est Alain Madelin, gagné. Mais Richard, comment t'es une VIP toi ici. Non, c'est tout. Alain Madelin, effectivement, qui lui est pour la guerre en Irak. Et voilà ce qu'il a voulu dire par cette phrase, Gérard Miller. Bah écoutez, moi je crois qu'on peut être tout à fait du côté des droits de l'homme et être contre cette guerre et pas du tout soutenir Saddam Hussein. Je crois qu'Alain Madelin est un des rares politiciens français à être pour la guerre, en effet. Pour les Américains dans cette guerre. C'est un peu honteux, quoi. Autre qui a dit quoi? Le jour où on n'aura plus besoin de se maquiller pour jouer, on arrêtera. Zidane. Zidane. Non, c'est pas au foot. Non, c'est pas au foot. Non, réfléchissez. La phrase. C'est des clowns. Pardon? Ce sont des clowns. Des clowns. Ah, oh, c'est pas Gad Elmaleh? C'est pas Gad Elmaleh. C'est Kiss. Quoi? Le groupe Kiss. Non, ce sont des humoristes. Humoristes? Les Vampes. Les Vampes, bravo Raphaël Mesrahi, gagné. Eh oui. Autre qui a dit quoi?
À ma place, que ferait John Wayne? Ah, ça, George Bush. Non. C'est vrai que ça, j'aurais dit aussi. Non. C'est quoi? C'est un américain? C'est qui? C'est un homme politique? C'est pas un homme politique. C'est un américain? Ce n'est pas un sportif, mais encore qu'il il était très sportif. C'était Lagardère. Jean-Luc Lagardère, bravo Annie Lemoine. Il paraît que c'est une phrase, ça permet de rendre hommage au patron d'Europe 1, entre autres, évidemment, mais c'est une phrase, paraît-il, qu'il prononçait régulièrement à ma place que Fred John Wayne. C'est incroyable, quand même, comme phrase. Ouais. Allez, Georges Alain, Jérémy et Anne-Laure, c'était nos invités ce soir. Merci bonne chance, longue route. Merci. Bye bye, à demain, 18h55.